Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, le géant de l'internet Google fête ses 25 ans. C'était là le sommaire, une fois de plus, bonsoir. L'Alliance des établissements scolaires et universitaires des évangéliques du Burkina AECEB a tenu sa 13e session du Conseil national ordinaire ce samedi. Une session couplée à la cérémonie de dédicace de flambeaux des écoles et des cahiers des charges des aumôniers d'écoles chrétiennes. Les détails de la rencontre avec Odette Zongena, Gédéon Tapsoba. Avec un budget de plus de 162 millions de francs CFA, l'Alliance des établissements scolaires et universitaires des évangéliques du Burkina AECEB a pu exécuter ses différentes activités. L'année 2022 a été marquée par la tenue des 10 activités de renforcement de capacité au profit de ses membres, par la validation de l'adhésion des 47 établissements et par le renouvellement des membres du conseil d'administration de l'AECEB, piloté dorénavant par Jean Kirsi Ouedraogo. C'est ce qui ressort du 13e conseil d'administration de l'AECEB. Nous avons fait une université chrétienne que nous menons presque chaque année maintenant. 2022 était également une année au cours de laquelle nous avons enregistré beaucoup d'adhésions de nouveaux membres. 2022, c'est une année aussi où nous avons pu avoir un terrain pour construire notre siège, où nous avons pu également faire des déplacements hors du pays. En termes d'acquis, nous venons vraiment grâce à Dieu parce que aujourd'hui, l'AECEB est la branche technique de la FEME au niveau de l'éducation. Ce qui fait que nous avons la bénédiction sur le plan ecclésiastique pour mener nos activités. Donc, c'est vraiment un acquis. Aujourd'hui, auprès du ministère, nous avons un partenariat, une convention qui permet au ministère d'affecter des élèves dans nos différentes écoles. C'est des acquis. Cette session ordinaire était couplée à la cérémonie de dédicace de flambeaux des écoles et du cahier des charges des aumôniers d'écoles chrétiennes. Les documents que nous avons présentés aujourd'hui, c'est le flambeau de l'éducation. En fait, c'est un document qui contient un recueil de méditation pour nos écoles. Et l'autre document également, c'est un document qui permet aux aumôniers de bien préparer non seulement le cours qu'ils vont donner dans les classes, et bien se préparer eux-mêmes d'abord en tant qu'éducateurs chrétiens, et de bien également donner le cours qu'ils vont donner dans les classes. La contribution de l'AECEB à la qualité de l'éducation au Burkina Faso n'est plus à démontrer, a signifié le directeur de l'enseignement privé du MENA-PLN au cours de son allocution. Il a tenu à encourager l'ensemble des acteurs à persévérer dans cet élan. L'AECEB, qui est toujours fidèle à sa tradition, c'est d'innover. Et d'innover pour rendre un grand service à notre système éducatif pour le bonheur de nos enfants. Donc c'est avec joie donc que j'ai pris part à cette cérémonie. Et ce recueil de méditation biblique va rendre un grand service à notre système éducatif. C'est pour cela que j'ai appelé en tout cas tous les acteurs au-delà des écoles chrétiennes et pour que, des écoles évangéliques pour que les autres acteurs s'approprient ce document-là pour véritablement accompagner l'État dans l'éducation des enfants de ce pays-là. Au-delà des félicitations, le président de la Fédération des Églises et Missions Évangéliques FEME a encouragé l'équipe dirigeante et l'ensemble des membres de l'AECEB à persévérer dans sa mission première, à savoir favoriser l'accès à une éducation de qualité et contribuer au développement intellectuel, physique, émotionnel des enfants à travers la capacitation des établissements évangéliques. L'AECEB fait un travail très, très important. Et un travail étendu. C'est vrai que nous leur demandons de continuer de multiplier les écoles chrétiennes. Il y en a déjà, mais ce n'est toujours pas suffisant puisque nous ne couvrons pas forcément tous les domaines. Si par exemple je prends l'enseignement technique, à ce niveau, nous avons encore un manque à gagner. Alors donc nous encourageons l'AECEB vraiment à aller de l'avant parce que vous savez que l'AECEB, ce n'est pas juste l'éducation simple comme ça, mais l'AECEB vise à l'excellence. Donc, dans toutes nos écoles,
Ce que nous visons, c'est vraiment l'excellence de manière à ce que nous puissions sortir d'une génération ou des générations qui seront en mesure de servir vraiment dans tous les domaines et vraiment avec compétence et efficacité. Précisons que l'année 2022 a été également émaillée des difficultés liées à la fermeture de certaines écoles en cours du fait de l'insécurité et à la collecte des données. En termes de perspectives, la UZEB ambitionne d'ici 2025 obtenir sa lettre de mission de la FEME dans le secteur de l'éducation, être un leader efficace dans le système éducatif au Burkina Faso et asseoir une éducation centrée sur Christ dans les 459 établissements membres. L'Alliance des établissements scolaires et universitaires des évangéliques du Burkina à UZEB, l'on retient qu'elle a été reconnue officiellement le 4 août 2009 avec comme vision constituer un réseau fort des établissements évangéliques dans la perspective d'uniformiser et d'harmoniser les pratiques en termes d'éducation chrétienne. Retour sur le mois de la famille à l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage. L'orateur de la rencontre, le docteur Adama Ouedraogo, a donné un enseignement portant sur la place de l'homme et de la femme dans le couple et dans la vie de la famille. Un enseignement bien accueilli par les nombreux fidèles présents. Gédéon Tapsoba, Delphine Banissi pour plus de précisions. Plusieurs points abordés pour énoncer le rôle de la femme chrétienne dans le couple avec à l'appui des versets bibliques tels que Proverbes chapitre 31 à partir du verset 10 ou Éphésiens le chapitre 5 au verset 22, les fidèles de l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage ont une fois de plus été enseignés. Enseigner pour une famille stable, une église stable, une société stable, c'est tout le vœu du docteur Adama Ouedraogo, pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de la Riviera 2 en Côte d'Ivoire et l'un des orateurs principaux du mois de la famille initié par les AD de Tanguin Barrage. La femme, bien sûr, ce qui lui est demandé dans la parole de Dieu, c'est la soumission. À titre principal, c'est la soumission qui est demandée, qui n'est pas synonyme de l'esclavage ou infériorité, non, pas du tout, mais tout simplement pour respecter l'ordre que Dieu a établi. Parce qu'il est dit que c'est Adam qui a été d'abord créé et ensuite la femme. Et en montrant que la femme doit être toujours coquette, c'est important. Parce qu'il y a des femmes, une fois entrées dans le foyer, se négligent. Or, ça, c'est une mauvaise chose. Il faut que la femme sache qu'elle a, elle doit s'entretenir et garder la coquetterie pour que l'homme soit toujours, allez dire, fin d'elle. La femme chrétienne, en plus d'être sage, vertueuse, discrète, se doit aussi d'être coquette. Elle est en effet la gestionnaire des biens du couple, autant de qualités de l'épouse. Relevée par l'orateur devant un auditoire captivé par cet enseignement interpellateur, à en croire à la réaction des uns et des autres. Moi personnellement, en tant que fidèle de cette assemblée à Tanguin et en bénéficié de l'enseignement, je me suis sentie interpellée pour pouvoir redoubler d'efforts et écouter le Saint-Esprit à travers sa parole pour m'aider à discipliner ma vie et être une épouse qui craint Dieu et qui va soutenir mon mari et l'éducation des enfants aussi. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est le fait de savoir que même dans l'œuvre de Dieu, la maison est prioritaire pour la femme, puisque bon, on a tendance aujourd'hui à tomber dans l'activisme et on laisse de côté la famille, alors que la famille est au centre de la vie de l'Église. Donc c'est important de voir cet aspect. Et il y a beaucoup d'autres points qu'il a abordés de par son expérience. Nous avons tiré beaucoup de profit de cet enseignement. Outre le rôle de la femme, l'orateur a aussi évoqué les relations parents-enfants, chose importante qui d'ailleurs a été prise en compte dans le programme de ce mois dédié à la famille. On aura un temps libre, on va se répartir dans la cour de la mission. Chaque parent, un papa va dire à son fils, voilà qui je suis.
voilà pourquoi je suis devenu chrétien et voilà ce que je souhaite que tu sois. Que je sois vivant ou pas, je veux que dans l'avenir, tu fasses ceci, tu fasses cela. En fait, c'est transmettre les valeurs. Comme on le voit dans la parole de Dieu, quand Dieu a choisi Abraham, il a dit, il doit transmettre des choses, il doit ordonner des choses à son fils. Donc nous voulons que les parents ordonnent, transmettent déjà un héritage pour l'avenir. Et ce sera la même chose aussi pour les mamans qui vont transmettre des valeurs éternelles, parce que ce sont des questions de valeurs, mais des valeurs spirituelles à notre progéniture. C'est un culte dominical marqué aussi par des moments d'adoration et de louange en reconnaissance à l'Éternel pour ses bienfaits. Notons que dans le cadre de ce mois dédié à la famille, enseignements et activités diverses se poursuivent jusqu'au 1er octobre 2023. Un tour à présent dans l'actualité hors de chez nous. Le géant de l'Internet, Google, fête ses 25 ans dans un contexte où le géant est confronté à des allégations de domination du marché et à la possibilité de nouvelles réglementations. Google addicted not only on Google Search, but even on Google Maps, right? We have outsourced our brains. I'm still surprised that I haven't fallen off a cliff yet, because I blindly follow Google Maps wherever it takes me. En l'espace de 25 ans, Google a réussi à s'affirmer comme l'une des entreprises les plus puissantes de l'ère Internet. Son moteur de recherche occupe la position de leader incontesté et son système d'exploitation Android est déployé sur la majorité des smartphones et tablettes sur le marché. Cette suprématie ne passe pas inaperçue, poussant les autorités de la concurrence à réagir. Mais les efforts visant à réglementer cette situation se heurtent à des procédures bureaucratiques complexes. The ones that say that antitrust has come, you know, in the game too late and it has done too little, that, you know, for companies like Google, it's good to wait, to drag the process and in the way that, you know, there's going to be roadkill, as one tech executive once put it, and it's just part of this narrative of benefiting the incumbents like Google. La législation sur les marchés numériques vise également à limiter l'influence des géants de la technologie au sein de l'Union européenne. Elle devrait, au moins en théorie, réduire la capacité de ces entreprises à promouvoir leurs propres services sur leur plateforme. Mais la manière dont ces restrictions s'appliqueront concrètement suscite encore des interrogations. Israël est officiellement intégré au programme d'exemption de visa des États-Unis. Les États-Unis ont décidé d'intégrer Israël à leur programme d'exemption de visa, une décision longuement attendue par l'État hébreu. Après plus d'une décennie d'efforts diplomatiques, Israël devient officiellement le 41e pays à intégrer le programme américain d'exemption de visa, une annonce saluée par la Maison Blanche. La décision d'intégrer Israël n'a pas été prise telle une faveur, mais parce qu'elle profite à la fois aux intérêts américains et israéliens. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken ajoute, lui, que cette décision reflète les liens étroits entre les deux nations. Cette réalisation importante représente une étape cruciale dans notre partenariat stratégique qui renforcera la liberté de mouvement des citoyens américains. Les voyageurs israéliens devront soumettre leur demande en ligne. Une réponse leur sera envoyée sous 72 heures. Si acceptés, les permis d'entrée seront valables 2 ans et uniquement pour les détenteurs de passeports biométriques. Tous les Israéliens se rendant aux États-Unis pour des études, un travail ou participer à un programme d'échange auront toujours besoin d'un visa. Côté israélien, Tsahi Hanegbi, conseiller israélien à la sécurité nationale, a été l'un des premiers à réagir, de même que Benny Gantz. Des remerciements particuliers doivent être adressés à l'ancien ambassadeur des États-Unis en Israël, Tom Nides, qui a fait avancer ce projet. Un effort qui a été couronné de succès et constitue une véritable bonne nouvelle pour les citoyens israéliens et pour les liens profonds entre les deux pays. L'exemption de visa prendra effet avant le 30 novembre prochain. L'annonce de l'entrée officielle de Jérusalem dans le programme américain d'exemption de visa avait été révélée en début de semaine, ce qui avait provoqué la bronca de Washington.
Au cours de l'Assemblée générale de l'ONU, les représentants marocains et algériens se sont pris à partie concernant le Sahara occidental, considéré comme territoire non autonome par les Nations Unies. Les représentants marocains et algériens se sont pris à partie mardi lors de l'Assemblée générale de l'ONU concernant le Sahara occidental, considéré comme territoire non autonome par les Nations Unies. L'ambassadeur algérien Amar Benjama a notamment accusé son homologue marocain d'avoir déformé les propos de son président Abdelmajid Tebboune. Monsieur le Président, il est un secret pour personne que l'Algérie a soutenu et continuera à soutenir le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. C'est ce que le président Tebboune a proclamé avec franchise et conviction devant cette assemblée mardi dernier. La question de cette ex-colonie espagnole oppose depuis des décennies le Maroc, qui contrôle 80% du territoire et propose un plan d'autonomie sous sa souveraineté, aux indépendantistes sahraouis du Front Polisario, soutenu par Alger. On ne peut pas verser des larmes de crocodile et en même temps attaquer un pays qui vit toujours dans un drame. Vous manifestez votre solidarité, votre soutien, mais en même temps, vous injectez votre venin. Vous insultez les morts. Vous insultez les Marocains. Avec la reconnaissance de sa souveraineté sur ce territoire par l'administration américaine de Donald Trump fin 2020, en contrepartie d'un rapprochement avec Israël, le Maroc déploie depuis une diplomatie de plus en plus offensive pour rallier d'autres pays à ses positions. Et voilà, chers téléspectateurs, qui referme ce journal. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite au programme sur la télévision de la famille.